3, 2, 1. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Lion en tête, on se retrouve aujourd'hui, oups, pour l'épisode 6 de Taille, j'allais jouer à la manette, pas de Xbox. Voilà, c'est pouce vert, hein, je joue pas d'Xbox, c'est super. Voilà, hein. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6, vous voyez que j'ai de nouveaux boomerangs que je suis allé chercher en off, hein, c'est ceux qu'on n'a pas. C'est ce que je vous disais que j'allais chercher là dans l'épisode précédent, mais que lui manquait un rouage. C'est les infrarangs, voilà. Qui nous permettent, en fait, comment vous dire ça, de voir les choses qui sont invisibles, mais en fait, c'est un peu. Comment dire ça? Il y a des boîtes invisibles, en fait, il y a des caisses invisibles, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Elles contiennent des artworks du jeu. Et donc, sinon, on est en live aussi, voilà. Je balance comme ça. Donc, Ipaka, il y avait. Cyprien le Mongolien avant. Ah, il y a du bruit, ça veut dire que quelque part. Ah bah voilà. Bon, bah voilà l'exemple. Là, une des quêtes que je vous parlais. Donc je me disais aussi pourquoi il y a. Hop là. Voilà, donc voilà, c'est des caisses comme ça, ça fait du bruit. Ça on l'a fait avant et ça on. Bah on va la faire maintenant. Donc bon, voilà. La souche noire, c'est parti. Je suis juste aussi allé là, le tronc d'arbre dans lequel j'arrivais pas à entrer dans l'épisode précédent, je suis allé en off, ça m'a obtenu une gemme, et puis après je crois que j'ai pas fait grand chose d'autre, j'ai récupéré 2-3 rouages à droite à gauche. En haut et des voilà quoi. Cachés entre les deux. Bienvenue en montagne. Alors je vais être cash avec vous, c'est un niveau dont je me rappelle pas très très bien. Encore le prochain niveau, bah je l'avais fait avant le let's play, mais alors celui-ci. Déjà depuis tout à l'heure ça me spam là, ok j'ai compris, il y a une boîte, il y a un artwork. Je ne sais pas où mais il y en a un. Là, je veux mon boomerang en forme de croix. Sérieux je le veux quoi. Bon, je sens que je vais faire un pas et à madame je joue très mal la comédie qui vient me parler. Ah je l'avais dit. Les enfants jouaient à cache-cache et il y a eu un feu de forêt. Ils sont pris au piège. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, tu pourrais les ramener sains et saufs. T'en fais pas, Sheila. Putain, mais tu sais pas garder des gosses, toi. Non, sans déconner. C'est la deuxième, c'est facilement la troisième fois qu'elle nous demande de trouver de ces gosses, quoi. Ah. Par là. Voilà comment défoncer ça, bah voilà. Bon, je vais garder les cris au rang parce que c'est juste que ça m'emmerde un tout petit peu le truc, mais voilà. Hein. Et donc, sinon, dans l'épisode précédent, je vous ai posé une question et vous avez vu l'annonce de Michou aussi, je pense, pour la plupart. Ouais, bon, ça va pas le faire. Voilà. Merci des mecs. Hop. Et donc, voilà. La question justement c'était après taille 1 vu que je n'enchaînerai pas tout de suite, encore une fois je le répète, avec taille 2 hein, qui sera réalisé bien entendu mais pas tout de suite. Donc je vous ai proposé entre Ratchet & Clank 2 et Jak and Daxter 1. Bien entendu si c'est Jak and Daxter 1 qui pour le moment est en tête est choisi, hein, celui qui a plus de votes, je ferai Ratchet & Clank 2 plus tard. Maintenant la différence entre Jak and Daxter 1 et Ratchet & Clank 2, ce serait que Jak and Daxter 1 sera fait à 100% normalement, parce que c'est un jeu que je connais assez bien pour le faire à 100%, tandis que Ratchet & Clank 2, non. Donc voilà. Normalement vous aurez le lien du Pixul, voilà, du sondage Pixul dans la description de la vidéo. Si jamais il y a besoin sur le live, je la passerai aussi après. Et j'aimerais bien pouvoir sauver le gamin, mais bon, je sais pas combien il y a. Voilà, je découvre totalement. Oh non, je découvre pas le niveau, mais j'en ai vraiment de vagues souvenirs. Hein. C'est pas un niveau dans lequel j'ai beaucoup traîné. Ah bah tiens, j'en entends. Hein. Ah bah il est là, le mec. Voilà. Casse-toi. Vous voyez pourquoi j'aime pas le cri orangue? Voilà. Ah.
Voilà, mourir tous, crever tous, putain. Merci, oncle Tai. Mais le gamin il meurt pas, tu vois. Ah putain, mais il y a 8 gamins en plus, oh là là. Bon, ça sera un long épisode, on va essayer d'enchaîner les deux levels, hein. J'ai dit, on va essayer. Voilà, j'ai promis un long épisode. Oh putain, j'aime pas cet endroit. Et les ennemis que je déteste, les araignées. Déjà que je n'aime pas les araignées à la base, alors dans celle, c'est encore pire. Par contre, j'ai hâte d'enchaîner avec Taille 2 parce que, déjà, rien que pour les boomerangs, c'est beaucoup plus facile à les choisir. Une part de tarte, super, bon, voilà. Je dis pas non, j'avais perdu un peu de vie. Ah bah tiens, un rouage doré, bah c'est parfait. Je sais plus combien il nous en manque, mais bah plus on en a, mieux c'est. Sachant que les deux prochains boomerangs, sont des boomerangs extrêmement utiles. Je vais pas vous spoiler plus que ça, mais vous allez voir, ils sont juste excellents. Oh mais putain, mais il y a des boomerangs partout quoi. Allez, bim. Voilà, parce que là, quand j'en ai marre, j'y vais au coup de multi-rang, moi. Comme ça, je défonce tout le monde, et puis voilà. Bon. Il y a un gamin dans le coin. C'est marrant de me dire ici, mais bon. Hein. Ça, mais eux, j'en ai marre. Hein. Formidable. J'aime bien comment ça, quand on dit formidable, il y a pas du tout la même voix que tout à l'heure, c'est bon. Là-bas il y a un gamin. Ouais, donc elle, franchement, il y a que les... On va tiens, crève, écoute. Wow, wow, tu te casses, non, tu montes pas là, oh. Reste à ta place, madame. Bim. Voilà. Ta gueule, gamin. Moi, je bosse. Ouais, je sais, je swag. Non, je vois pas un cri orange. On va passer par là, mais il y a le gamin là-bas en haut. Ouh, ça c'est sympa, ça. Bon, ça marche comme ça, voilà. Là, je me rappelais pas qu'on avait ça dans ce niveau. Bah, c'est cool, hein. Yippee, motherfucker. Tiens. Tiens, voilà mon haleine de chacal. Oh, wait. Bon, ouais. C'est ça pour ça. J'aurais pu les chasser au boomerang, mais c'est pas grave. Bon, sinon, il y a un checkpoint, hein. Mais... Ah, bah tiens, coucou. Ok, non, mais l'ennemi buggé, il bougeait pas, quoi, normal. Ouais, ouais, non. On va essayer grosso modo de faire le niveau et ce que j'arriverai pas à faire, je ferai ça après, juste après en off, pendant le live. Mais comme j'ai dit que c'est un long épisode, on va éviter de trop traîner quoi. Bon, par contre, si techniquement c'est par là, faudra m'expliquer par où il faut. J'ai rien dit. Comment ça, par contre, je viens, ouais, je veux, monsieur. Wait. Je veux, monsieur. Oh putain, Tobernac. Ça m'est vive l'esprit de ce jeu quand même. Autant des fois t'as du grand n'importe quoi, autant des fois t'arrives à te sauver la vie. Non, je m'en fous en fait. C'est vraiment en cas de désespoir que je vais faire les 300 opales. Surtout bon, les 300 opales dans taille 1 ne servent uniquement. Pour avoir une gemme, c'est vraiment... Ah ! Oh là là, oh là là, oh là là là. C'est vraiment que dans taille 2, enfin, c'est vraiment qu'à partir, pardon, de taille 2, qu'elles ont une réelle utilité. Et dans taille 3, je crois que c'est pareil, hein. Salut, taille. Je le rappelle, je n'ai jamais joué à taille 3. Là et dans le pétrin, Bounny est parti chercher des gemmes. Il a entendu que encore, tu en cherchais. Eh, hey, mais c'est mon boulot. Eh oui. Pourrais-tu aller chercher le petit avant qu'il ait des problèmes?
Ça roule. Ouais, ok. J'aimerais bien savoir aussi comment aller chercher le rouage doré là-bas. Lol. Bon bah toi, meurs hein. Meurs hein, voilà. Par contre, on va aller par là. Donc ça, c'est juste pour des étoiles. Bah, je dis que je les ramasse pas et pourtant... C'est pas un réflexe. Yolo. Bim. Et bim, motherfucker. Tout ça pour ça. Ça me paraît bizarre. Et tu dis à plus. Enfin, je sais pas. Ah tiens, un gamin. Non mais t'es pas sérieux là? Il revient, sale gamin! Putain, les gosses, je vous jure! Allez, reviens! Mais reviens! Mais reviens, sale merde! Come back here! Viens! Ça t'apprendra! Hé, hey, gamin! Ok, je vais me chercher. Oui, c'est ce petit chien. Là-bas. Petite merde, reviens là. Donne-moi ma gemme. C'est techniquement, il cherche des gemmes parce que j'en veux. Pourquoi est-ce qu'il me tue? Hein, sérieusement. Come back here. Mais en plus, j'ai joué quand il se fait taper, c'est affreux. Putain, mais je le tenais quoi. Ok, j'ai compris. Je vais pas y arriver comme ça. Il va falloir gruger. Aha! Shit! Putain. Bon, en fait, faut que tu connaisses son pattern, quoi. Gamin, c'est ça en fait. Tu dois connaître son pattern. Voilà. Ou alors tu le détournes aussi, voilà, comme ça. J'ai dit que je voulais pas traîner sur les mondes, bordel! Non mais reviens là, mais bordel! Oh, sale gamin, sale gosse! Je suis sûr que t'as les gens sur le live qui sont en train de se foutre de ma gueule parce que j'arrive pas à attraper un stupide gamin. Dans des moments là, c'est dans ces moments là où t'as envie de faire des save state en fait. Mais que tu peux pas parce que tu joues sur console. J'ai perdu le gamin. Fuck. That shit. Ah non. Putain mais il gruge ce gamin hein. C'est pas possible ça. Ah, fichu gamin de merde. Ah, oui, je t'ai eu, voilà. Écoute, Bonnie, tu as été très vilain aujourd'hui. Sheila et moi, on se faisait du souci. Je suis désolée. Tu peux. Je crois que tu as quelque chose pour ton copain Tai, non? J'ai trouvé ça. C'est pour toi. Trop cool. Ah, ces jeunes, avec leurs ordinateurs, leurs portables et internet, ils vous rendent fous! T'as la parole de vieux, quoi. Mon dieu. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on peut se barrer. Voilà. Ça fait 15 minutes déjà. Effectivement, ça sera la moitié d'épisode. Oh là là. Bah là on va rentrer en mode fuck you. Et en mode fuck you all. Voilà.
Voilà. Voilà. Au revoir, monsieur. Ok. Je suis pas là pour prendre la plateforme. Je suis là pour bourriner. YOLO. Oh oui, chef. Y a quelque chose à bord ou c'est vraiment juste des... Ah non, c'est vraiment juste des... Ah non, il y a une gemme. Oh, je veux. Need la gemme, need. Need, les opales, je m'en fous, mais la gemme, need. Ah. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, monsieur. Ah bah ouais, madame. Info, jeu. Ramasse 300 opales, sauf 5 bandits, balle wombat. Ah, reballe wombat. Ça doit être la course. Crise de koala, cabine pour cible et satané folie. Ok. Je vois pas du tout. Sauf le truc des koalas, parce que pour récupérer les gamins. Chose qu'on n'arrivera pas à faire. On a déjà raté trop de gamins, je crois. Du moins, on en a raté un et j'ai la peine de revenir en arrière. Ah, s'il le faut, je les prends en off. Hein. J'en ai pas envie, mais. Oh shit, bro! Putain, mais sur la glace, tu peux pas sauter sur la glace, tu peux pas! Tu sautes à peine, c'est chiant! La caméra STP. Oh là là. C'est quoi ce niveau de merde? Mais putain! Vous voyez, c'est ce que je vous disais avant. Des fois, les sauts de ce jeu sont très très punitifs. Bon, je crois que ça. Ça répond à ma question, comment aller chercher de l'autre d'avant, hein. Je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, là on arrive là, oui. Ok. Maintenant la question est, si c'est pas par là, c'est par où alors? J'ai l'impression de pas pouvoir... Pardon. De pas pouvoir remonter. J'ai sûrement dû me chier. Mais alors il y a sûrement moyen de passer par là-bas. Si Taille le veut bien, hein, TP Taille, voilà. Tu montes là, et tu montes la voie. Bah non. Bah non, c'est pas possible. Ok, donc lol. Je remonte comment? Oh, comme ça, ouais. Pas ce qu'il y a de mieux. Bon, bah techniquement, si c'est pas là, faut que j'aille où? Ah ah. Est-ce que j'ai goût de question? Un peu de vie, on va pas dire. Non. Les membres, bon, faut dire ce qu'il y a, c'est utile quand vous cherchez des opales, parce que. Voilà. Bah, si vous manquez une seule opale, vous savez pas où elle est, bah. Vous baladez avec les membres, et voilà. Mais bon. Encore une fois, les opales, on s'en fout. Ah voilà, je suis perdu, bordel! Oh, un panneau, enfin une flèche, c'est-à-dire que c'est par là. Youpi! Au moins, je suis pas perdu. Ouais. Ah, meurs, non, c'est pas grave. Oh, y'a Ben. Salut, petit gars. Ces salopards vont me rendre fou. Ils se sont mis à lancer des pierres sur les cabines. Quelle décadence, vraiment! Laisse-moi faire, Ken. Tu es un vrai héros, Tai. Ouais, je sais. Donc en fait, je dois juste buter ces... Non, quand même, c'est trop facile, sinon. Non, il y a autre chose à faire, sinon c'est trop facile. Ah bah non, il y a autre chose. On va voir s'il n'y a pas un bandicoot dans les alentours. Ça parle pas beaucoup sur le live, même pas du tout, en fait. J'ai pas le nombre de viewers sous les yeux, c'est génial, c'est le pouce vert. Oh shit, faudrait que j'aille voir par là-bas. Bah, attendez, on va d'abord s'occuper des fruits, là, et ensuite, on s'occupera de là-bas. Alors... Ok, bon. Techniquement, monsieur, tu me demandes... Je me dis qu'il y a les prix, le kill. Toujours là, c'est pris le mongolien, d'accord.
Je me sens moins seul. peut-être qu'on va monter là. Techniquement, s'il y a des fruits, il faudra m'expliquer d'où ils viennent. Hein. Est-ce que là, normalement, je me dirige vers la fin du niveau? Enfin, j'imagine. Hein. Logiquement, c'est ça. À moins que les fruits, ça se trouve, ils se trouvent là-bas. Ah bah ouais. Eh bah ouais, monsieur. Eh bah ouais. Et voilà, monsieur. Et voilà. Pousse vert, monsieur. Ouais, le clipping. Voilà, ils apparaissent après. Et bim. Et bim, motherfucker. C'est ce qui s'appelle sniper les ennemis. On va voir si on a là, en fait. Non, ça, c'est des oiseaux. Il n'y en a pas, bah tant mieux. On va dézoomer et on va en rezoomer là-haut. Hop là. On va dézoomer un peu quand même. Ouais. Et bim. Et bim, monsieur, dans ta tronche. J'aime bien quand je les shoot, tu vois. Bien à l'avance. Bien avant de les voir. Bon, il n'y en a pas d'autres. Et let's go pour le prochain. Ah, mais il n'y en a pas. Mais c'est pas vrai. Mais c'était facile. J'ai dû en oublier un, c'est pas vrai. Ah bah oui, j'en ai oublié. Attends, ce serait pas les merdes là par terre là? T'as pas ces cons là? Si, c'est eux, non? Enfin, j'en sais rien. Ah bah non, c'est eux. Bim. Et bim. J'ai dit et bim, monsieur, voilà. Et voilà, monsieur. Oui, c'est ce que je disais, c'est la fin du level ici. Ça veut dire... Ah bah tiens, il y a un roi, je veux doré. Moi je veux, monsieur, je veux. Je veux, monsieur. Le roi, je doré, je prends. Là, il y a quoi? Bah très clairement, c'est pour plus tard. Ok, je viendrai après. Je viendrai après pour voir ce que c'est. Parce que là tout de suite, pardon. Pardon. Oh shit. Voilà pourquoi j'aime pas le zoomerang. Bon voilà, on les bute au cas où. Non, on est d'accord, y'a rien. Hein. On va buter. Ah bah ouais, bah y'en a pas mal quand même. Voilà, on se casse pas la tête parce que nous on est comme ça, hein. Nous on se casse pas la tête, non. On est comme ça. Et oui, monsieur, bon, là normalement je vais avoir une cinématique, même pas. D'accord, d'accord, monsieur. Ah bah non, il en reste rien. Voilà, monsieur. Vous êtes mort, monsieur. Et j'ai encore rien, monsieur. Un morceau de tarte. Ouais. Ah putain, il en reste encore. Voilà. Oh là. C'est là où je regrette de ne pas avoir ce boomerang que je voudrais tant. C'est que c'est obligé avant la fin du jeu, je l'ai, parce que voilà. Parce que moi je veux tanker, hein, moi, je veux bourriner. On s'assure qu'il n'y en ait plus quand même, parce que si on défend qu'il y en a encore, c'est très bête. Pousse rouge. J'aime pas les snowboarders, voilà, 4 fois. Ça, c'est du bon boulot. Tu as éliminé les lézards, et les cabines sont de nouveau utilisables. Ah, ok, j'allais déjà parler. Tu mérites une récompense, Tai. C'est un petit cadeau du ministère, pour tout le mal que tu t'es donné. Cool! Comme tu dis, cool! Hey! Ah, le PD! Reviens là! Putain, mais je me fais agresser pendant la cinématique, mais OMG, quoi. Quand tu veux que je réagisse, après, hein?
Je vais aider. À tous les coups, il y a un bandit qui se cache dans le fond. Pas. Ou juste des caisses, mais. Parce qu'on est à 3 bandits de coups, il y en a un, c'est obligé, je sais où il est. Mais je pensais qu'il y en aurait un ici. Et les gamins, les gamins, on les emmerde. Tout simplement. Poncher les gamins. Voilà, monsieur. Y a pas de bande d'écoute là, vous êtes sûr? Oh, mais monsieur! SVP quoi, un petit bande d'écoute parti par là. Allez, un petit pouce vert, ça prend 2 secondes, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on attend bientôt 30 minutes, je l'ai dit, ça durera plus longtemps cet épisode. Je vais juste prendre 10 ans à l'upload, mais c'est pas grave. Putain, déjà, je prends 125 minutes pour une vidéo de base de 30 minutes, alors. Non, de plus d'une heure, ah, ça va être drôle. Ça va être drôle. Tac. Bon là on s'emmerde hein, clairement. On va s'amuser avec les boomerangs hein, tant qu'à faire. Oui, j'ai vraiment que ça à faire. C'est marrant, on empêche toute l'arsenal de boomerang qu'il a, qui change juste comme ça, c'est en tournant, c'est marrant. Tu te demandes où il range tous ses boomerangs quand même, hein. C'est comme Sonic avec ses rings. Surtout genre le flamerang et le cryorang, voilà. Hein. Tu te demandes où il est fou quand même, parce que bon... Il y en a un, ça te gèle le cul, l'autre il te le brûle, donc... De toute façon, je pense que vous avez tous compris que le prochain boomerang qu'on obtiendra avec les éléments, voilà. Hein. Je pense que je vous spoil rien si je vous dis qu'est-ce que c'est, mais dans le doute... Bon... Je pense que tout le monde a un peu deviné quel genre de boomerang ce sera, quoi. YOLO. Putain mais c'est long. Et OMG quoi. Mais OMG. Là je sais même pas où on va atterrir là-bas hein, parce qu'on va descendre là parce que vous avez vu la pente là. Mais je sais même pas où on va atterrir pour tout vous dire. Dans le doute, on va sortir le multirang. Parce qu'on ne sait jamais. Voir un faux jeu. Crise de koala, bon sens, ça reballe mon bateau, c'est la course, ça c'est un épril. Ok. Bon bah let's go. C'est parti les amis. Ok. Bon bah moyen de récupérer un peu de vie, donc ça c'est pas de refus. Ah bah tiens, bah une vie entière, ça. Ça veut dire que. D'ailleurs, de la baston, à mon avis. Ouais, vu la tronche du truc, parce qu'à tous les coups, on va descendre en bas, on va y avoir de la baston. Oh, un rouage doré, bah on n'est pas venu ici pour rien. Hein. Ah, parce que je le veux, hein, c'est bon, je le veux, j'en ai rien à foutre, mais je le veux. S'il le faut, je retournerai après dans les anciens niveaux en off, mais... Enfin live, mais voilà. Je le veux simplement, parce que surtout pour la fin du jeu, il est extrêmement utile. Overcheaté, oui, mais utile, quoi, franchement. Surtout quand vous avez pas envie de vous prendre la tête et d'aller vite. C'est... Il est pété. Bon, d'accord. On va descendre là. Ah ah! Il y en a un autre. Tu vois que j'avais pas trop marqué, copine. Le 6ème, bah c'est parfait. Et de 6, merveilleux, merveilleux. Comment comme ça? Par contre, j'ai vu un tas de neige aussi, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Ah bah tiens, bah un autre. Ah bah c'est la fête! Limite là, on va pas se choper encore un boomerang. C'est la fête, c'est génial! C'est ouvert!
des chiottes. Par là-bas. Tu me dis par là-bas. Par là-bas. Bah c'est ouais. C'est le machin. Bon, on verra après. On va aller là. Ah bah tiens, Bakken, comment t'es revenu ici? Ces sales lézards allument des feux partout. Ils sont complètement irresponsables. Ça, c'est clair. Le ministère m'a envoyé un lance-boule de neige pour régler ce problème. Mais je ne sais pas du tout utiliser ce machin. Tu pourrais m'aider? Ok. Super, on va se marrer, de l'eau. Et bim monsieur, voilà. Et meurs. Meurs, bien. Bah, par contre pour viser c'est juste galère, mais bon, c'est pas grave. On te pardonne. On te pardonne à Chrome Studio. Malgré que ça soit galère pour viser. Ah surtout ça gère quand il se met hors de ta portée le PD, voilà. Moi j'imagine le timer c'est le temps qu'on doit rester sans qu'ils allument de feu. Hein. Bon, faudra le faire, ça, là, ça a pas l'air très très difficile. Hein. Bon je vous avoue que je me rappelais pas de cette mission. Hein. Vraiment... On peut dire que tu n'as vraiment pas été gâté cette fois. On essaye de... Quoi? Oh. Hein, je veux monter. Hein. Ah oui, on recommence, hein. Putain, mais j'ai même pas vu le mec, où est-ce qu'il a allumé son feu de merde, quoi, hein. Putain, je peux aider. Vas-y, meurs. Meurs, quoi. Allez, meurs, voilà, bim. Et bim, on a pas que... Ça, c'est pas normal. Ah, à droite, d'accord. Wow, monsieur. On se calme, là, on se calme, putain. Putain, mais c'est OMG, quoi. Putain mais comment tu fais? Putain mais comment tu vises avec cette merde quoi? Putain je vérifie maintenant hein. Là je fais attention. Là je vais pas aller trop loin. Parce que la fois tu t'éloignes trop et tu vois pas l'autre qui sort derrière. Voilà monsieur, instant kill monsieur, et oui monsieur. Pouce vert monsieur. Eh non, là-bas, non, toi là-bas, non. Eh non, tu vas pas chercher ton pote, toi, non, casse-toi. Non. Voilà, monsieur. Non, pas bouger. J'ai dit pas bouger. Voilà, plus 33 minutes déjà. Wow, ça sera un putain d'épisode. Je crois que je vais couper l'épisode en deux parties, quoi. Enfin, moi je tourne d'une traite, mais je couperai après. À la fin de ce niveau, je couperai, puis voilà. Moi j'enchaîne avec le prochain niveau, mais. Non, celui-là je le suis vite et j'ai vu qu'il y a l'autre là. Ah non, pas question que je perde à 6 secondes de la fin, quoi. Non, messieurs, non. C'est quoi, t'attends rien à faire, toi. Hein. Tu as voilà. Donné une. Je te suis même pas, t'attends rien à faire. Tu sais, j'aimerais que tu sois garde forestier honoraire. Je n'ai pas de badge sur moi, mais j'ai cette drôle de pierre. Bonza! Cette drôle de pierre. Mec, qui sait pas comment ça s'appelle, hein? Non. Je sais pas, c'est une drôle de pierre, voilà. Je me prends pas la tête, moi, cousin. Bon, bref. Bon. J'ai cru voir des champignons, voilà, des champignons. Pas comestibles, mais c'est ce que je pense. C'est pas exactement ce que j'espérais. Hein? C'est même pas du tout ce que j'espérais, en fait. Ah. Ça veut dire qu'on a tous retapé.
Je vais voir s'il n'y a pas moyen de remonter, parce que là, non, quoi, non. Non. Je préfère encore remonter tout ça, hein, et être proche de la fin, parce que sinon, non, quoi. Hein. Non, parce que non, non. Bon, ils sont quand même pas bâtards à ce moment-là, ils ont dû mettre une plante pour remonter. Vous avez mis une plante pour remonter, messieurs, hein. Enfin, dites-le, hein, messieurs, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais non, mais cassez-vous. Putain, ah bah oui, ah bah quand même, ah bah quand même. Mais tant qu'on est là, voyons voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Déjà, on va prendre ça. On n'a pas besoin, mais... ouais, quand même, non, ils sont pas bâtards à ce point-là. Par contre, ils voient rien, donc... bon, les limites du level. Donc, pas de bandicoots. Tant pis pour les bandicoots. Hein. Je pense pas être spécialement en manque de gemmes. Enfin, j'en ai pas assez pour finir, pour aller à la fin du jeu, certes, mais il me reste encore un niveau, donc... Hop là. Je sais pas si j'ai déjà montré ces plantes là, mais bon, voilà ce que ça fait. Hein. Ça vous aide à remonter. Bon, après, très rare les 300 opales, mais j'ai trop la flemme, quoi. C'est vrai que j'en ai oublié au début du niveau et tout. Donc on les fera pas. Olé. Eh, n'empêche, on les défend du haut, hein, quand même. Wouah, je pensais pas que c'était si haut. Rainbow Cliff. Voilà. Donc, à partir de là, je couperai en deux. Ouh, je fatigue un petit peu, alors que j'ai pas fait grand chose de cours aujourd'hui. Oui, bah sinon c'était ma rentrée, hein, aujourd'hui. Donc c'est bien passé, globalement. Puis, j'ai des horaires assez souples, donc ce sera pas mal. Récupérer des marques, là, voilà. J'ai dans le mouvement dans lequel on va aller, je vais devant. Ta gueule. 9 gemmes, oh le PD. Ah, mais j'ai pas fait les courses, ouais. Si on compte les courses, là, ça change déjà. Ainsi. Je pense que, en tout cas, on a au moins 2 gemmes qui sont dans les courses. Oh, faut que je retourne dans les anciens niveaux. Pfff, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Soleil, ça on nous. Bon, on fera tout ça aujourd'hui. Hein. Ta gueule, je vais avancer. Bon, alors, c'est ce niveau-là, en fait, qui à l'époque buguait sur mon jeu. Hein, que j'ai jamais pu faire. Il m'empêchait de finir le jeu légalement. Ce qui est finissable avec le cheat code. Hein. On cherche le trésor d'un pirate, Rex et moi. Le trésor d'un pirate, classe. J'ai téléchargé une carte sur Internet indiquant l'endroit où le trésor de Wedgwood est enterré. Wedgwood? Un redoutable pirate qui écumait les mers du Sud. Mais il a bifurqué vers un métier encore plus dangereux. Ah oui, lequel? L'enseignement. La légende dit qu'il a enterré son trésor sur une de ces îles. Je n'ai pas pu déchiffrer toute la carte, mais c'est un genre de jeu de piste qui commence sur l'île aux crabes. Tu pourrais jeter un œil? Pas de souci. Merci, trésor. Alors là, c'est très drôle, mais... comment vous dire que son trésor de Wedge machin là, j'ai trouvé du premier coup, mais sans le faire exprès. Mais en fait, c'est très simple, je suis venu là. Je suis monté. Ou peut-être pas là. Enfin, du moins, c'est pas loin normalement. C'est dans le coin. Ouais, lol. Putain, mais c'était dans le coin pourtant, ils ont pas changé la map pendant que j'étais pas là. Bon, en fait, je voulais, j'ai trouvé du premier coup, mais normalement, alors est-ce que c'était plus tard là-bas peut-être pas. Oui, voilà, en fait, je suis allé là. J'espère que je vais pas me tromper cette fois-ci. Elle et moi cherchons un trésor. Je suis allé là, totalement par hasard. Ah bah tiens. On a découvert la cachette du butin de la barbe du perroquet.
Il est dans la grotte, mais il y a un problème. Quel problème? Un gros problème à huit pattes. Quoi? Huit pattes? Oh non, je déteste les araignées. Tu as de la chance. C'est une pieuvre géante. Tu peux l'occuper pendant que nous prenons le trésor? Très bien, Tai. Essaye d'occuper ce monstre à huit pattes. Les mecs, qu'ils me demandent quand même, hein. J'ai bien de savoir on était dans la grotte et maintenant on est en dehors de la grotte, normal. Vise les tentacules. Oh, c'est boss là. Enfin, je vois ça entre parenthèses qui a cette excellente musique. Ah, perso, c'est une des musiques préférées du jeu. Ah, non, non, pas touche. Pas touche à mon copain, quoi. Pas touche à mon ami. Vilaine. Wow, PD. Non, non, PD, non, 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 pas touche. Non, non, non. Bon, par contre, ça dure assez longtemps. Non, je crois qu'en fait, il y a juste d'abord Rex qui passe un coup, puis il y a elle qui doit revenir. Et tout. Bon. Donc ça va encore. J'ai réussi à toucher sans pas exprès. Parce que ça, c'est pas du skill. Non, je déconne, c'est de la chance pure et dure. Non, faut pas se précipiter. Faut vraiment y aller limite avec elle. Parce qu'en fait, l'erreur que je faisais, c'est que je me précipitais. Je butais les pattes avant, et après, voilà quoi. Ouh, cette chance. Non, non, non. Une touch. C'est à 12 trésors, mais les mecs, non, non, ils en prennent juste une poignée chacun. Ah non, j'ai rien dit, j'aurais dû fermer ma gueule en fait. C'était chier! Je savais que je devais la fermer. Ok, YOLO. Bim! Et bim, monsieur! Non, monsieur! Comme ça, moi. Bonza. Bon, c'est bon. Tu as pu retenir la pieuvre géante. On s'en serait pas tiré sans toi, trésor. Alors voici ta part. Cool. Bon, ça, c'est fait. Il nous en reste 8. Lol. Et je crois que j'ai oublié de faire les courses aussi dans les autres niveaux, donc à la limite. Ah mais non, mais dans les autres niveaux ça compte pas les gemmes. Pouah, fuck ma vie. Ah, ça va être chiant ça. Pas grave, pas grave. Ah là, y'avait rien. Non, y'avait rien. Non, mais en fait ça saute en fait. Ça saute. Oui, oui, Alien, ça saute, oui. On peut aller par là en fait. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ah bah si, en revanche, le reste, ça c'est très intéressant aussi. Ça, je ne dis jamais non, messieurs. Bon. C'est pas tout, mais on va regarder les infos de jeu. Alors, un 300 Opel, c'est un bandicoot, pareil. Ça, c'est la course. Chasse au trésor, c'était pas celle-là. Sabord des frites, source sur panique volcanique. Ok. L'île au crabe. C'est quoi l'île au crabe? Techniquement, moi, je suis là. Non, je suis là en fait. Donc c'est quoi ce machin? Ouais, donc on va aller voir ce que c'est que ce machin là. Ah bah l'île au crabe est là-bas. C'est sûrement là-bas que je dois aller en fait. Ok. Sinon la musique est agréable. Hein. Je sais pas si vous m'entendez bien dans la vidéo. C'est-à-dire vous cherchez le reste du jeu sur YouTube et puis voilà quoi. Parce que là je peux pas mettre plus fort que ça de son hein. Ça c'est pas de ma faute. Ok. Un petit peu trop. Oh y a mon copain. Salut copain. Au revoir copain. C'est par là. Normalement devrait
par ici, par là, y avoir un petit secret. Ok. Ah, ah, ah. Merci. Ohé, du bateau. Oh, laisse-moi écouter. Le trésor du vieux Wedgwood, vous êtes. Un rocher en forme d'encre vous mettra en fête. Je vois vite ça, William. Ouais, il est là-bas en fait, j'ai la lobby. C'est Bull NDR. En fait, les mecs, ils ont. Tu vois, ça c'est. Putain de level, tu vois. Il y a des trésors partout en fait. Il y a un trésor là-bas, il y a le trésor de Wedgehood. Ouais, super quoi. Par là. J'ai bien un truc qui brille. Ah ah, ça je prends, monsieur. J'ai dit je prends. Taille, fais pas chier, on a besoin de ce boomerang. Taille! Toi et moi, on a besoin de ce boomerang pour la fin du jeu. Pas vraiment. Voilà, c'est bien avec. Sinon, je viserai un cheat code. Non, parce que je vous fais pas la fin du jeu sans, hein. C'était clair et net. Non, parce que sinon, ça prendra 10 ans la fin du jeu. Hein. Ah, parce qu'avec ce boomerang là, tu speedrun, hein. The best boomerang de taille 1. Après, il y en a des meilleurs dans taille 2. Mais taille 2, on n'y est pas encore. Mais on s'en approche grandement. Oh, des mini lags. Des mini freeze. Ah bah tiens, on le voit là-bas. Ce rocher en forme d'encre. J'aime bien, tu sais, quand tout le monde nous demande de faire le boulot pour eux, quoi. Ah ah! Le prochain indice est sur l'île Pelée. En hâte, allez le chercher. En plus, il y a le volcan là-bas, donc c'est parfait. D'accord. En fait, mon île, c'est juste devant moi en fait. Lol. Ok mec, ok. Ouais, si tu veux. Ouais, qu'est-ce par là? Ah bah tiens, c'est peut-être ça. Ah, très cher. Si les indices qui riment vous ravissent, les rivages tropicaux vous seront un délice. Mais tu fais chier, dis-moi! Bon bah, tant qu'on y est ici, on va juste faire un petit tour, hein, histoire de voir s'il n'y a pas des choses. Déjà, il y a un rouage doré là-bas. Oui, je. Dès que je vois un rouage doré, je fonce, mais voilà. Alors, il le faut dans ce jeu. Très important. Dans le 2, c'est devenu des goodies en fait, je crois. Je sais pas ce qui débloque les rouages. Mais... Ils sont même plus dorés, ils sont devenus argentés. Je sais pas ce qui débloque. Faut dire aussi que j'ai jamais pris la peine de tout se prendre. Hein. Est-ce que je l'atteins d'ici? Non. Voilà. Non! Fuck ma vie. Pardon. J'aimerais bien y arriver assez vite quand même, ça serait bien. Putain, je fatigue. Je commence à fatiguer. Ok. On va se concentrer. Ok, cool. Maintenant, ouais. Ah. Mais là, si tu le rates, taille, voilà, ok, parfait. Oh, on en a que 3, je croyais qu'on en avait plus. So. Tout droit. Lol. D. MDR. En plus, on sera pas loin du volcan, donc c'est parfait. Parce qu'il y avait une gemme qui parlait de trucs volcaniques, donc clairement ça se passe dans le volcan. On va y aller. Casse-toi, hein, l'anguille, tu ne boufferas pas, non?
Moi je te chlasse avec mon boomerang. Biatch. Tenace, wake up. Ah mais c'est des mecs qui se protègent. C'est quoi, je vais même pas prendre la peine de combattre, d'affronter. N'empêche, c'est vachement bien caché le truc, il est juste pas du tout en évidence. Au fond de l'eau, vous plongerez, et une épave nommée Jamais, vous trouverez. Jamais. Pourquoi ça pue le nom de femme? C'est toujours une sorte de femme. Wait, what? Je vais me faire insulter par toutes les filles qui regardent mes vidéos, mais vous êtes. On va faire tout de suite, ça m'intéresse. Ça, monsieur, ça m'intéresse beaucoup. Ça, monsieur, je veux. Oh, mais t'es pas sérieux? Oh, mais OMG. Ah, mais fuck ma vie, quoi. Putain, mais je me rappelle pas avoir galéré autant à l'époque. J'ai joué des heures à ce jeu. Non mais lol quoi. Lol, tu veux que je monte comment ici? Bon, à la limite celui-là on peut le gruger, on peut monter par sur celui-là directement. Ça se gruge, j'ai dit. Tu peux. Ça y est, tu peux le faire. Tu peux monter là-dessus. Voilà, tu vois. Tu vois quand tu veux. C'est quand même mieux quand tu coopères, non? Maintenant il faut l'attendre. Du coup là tu peux pas monter hein. Donc c'est vraiment moi qui arrive pas. Lol, nope, t'es obligé de monter. Putain mais vous êtes marrants les mecs. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Lol. MDR. Bon bref. Oh oh oh, il y a un truc là. Ah bah c'est une vie. Non bah 10, c'est cool. Par là, par là, par là, par là, par là, par là. Il est par ici, il est passé par ici, il repassera par là. Checkpoint. Si jamais on crève, chose qui arrive très rarement. Oh, c'est Janine. Par le mât d'Artimon. D'île en île, tu as plané, sauté et nagé. Au point de départ. Tu dois me retrouver. Fuck you! Seriously! Putain! Et fuck, quoi? Merde, lol. Okay. Non, sans déconner là. Il arrête de se foutre de ma gueule. Il y a un crâne là-bas. On me demande si c'est ce que je pense, le crâne. Non, attendez. Est-ce que je me tourne dans la bonne direction? C'est par là-bas. Ah bah tiens, c'est l'endroit pour quitter le niveau. Bon, moi maintenant je sais où il faut que j'aille pour quitter le niveau, lol. Où je vous snob les mecs. Bientôt je vous chlasserai sec avec mon gros mouang. Tu as je jure, si tu me fais encore tourner en rond, je te bute. Tu as trouvé le trésor de Wedgwood. Oh merci. Bravo pour ta quête, Moussaillon. Voici mon trésor. Salut pour de bon. Eh bien, une chose est certaine. Quoi donc? Wedgwood était un pirate, pas un poète. Même pas fichu de mener sa barque. Hé, hey, regarde ça! Une gemme! Je ne m'y attendais pas. Waouh, c'est trop cool! C'était tellement pas prévisible! Encore 7.
Sabord de l'esprit, source sur panique volcanique. En fait, ce serait simple, il suffit de se rendre au point d'interrogation. Mais là, bah, c'est tout, hein. Oh my god. Je vais trop regarder Super Paper Mario qui arrive ça, moi. Alors, en fait, c'est très très simple, j'ai jamais pensé, mais il suffit d'aller au point d'interrogation. Donc, le point d'interrogation qui était près de nous, eh bien, c'est ça, le dôme, là, le biome de merde. Il sert uniquement, en fait, bah, pour les 300 de base, hein, je vous l'ai déjà dit, je crois. De toute façon, on l'a appris en début de l'espèce, donc voilà. Donc je vais pas revenir là-dessus. Ah bah tiens, bah apparemment on doit pouvoir faire la course. On va voir si on peut faire la course ou pas. Si on peut la faire, on va essayer de la faire. Si on peut pas la... Si on peut pas la faire, on ne la fera pas tout seul. Ah bah si on peut la faire, bah parfait. En quoi sont tes jambes? En acier. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais fendre l'eau. Enfin, j'espère. C'est parti. Oh, 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 oh. Casse-toi. Fini. Mais ce bâtard, il est rapide, tu vois. Je crois que je n'ai jamais fait cette course, en plus. Il n'y a que sous la terre, en fait, qu'on peut vraiment essayer à le battre. Là, je vous avoue, je sais pas du tout. Hein. Goodbye. Oh, shit. Casse-toi de ma route. Espèce de... Oh. Oh putain, mais gros du quoi. Wesh. Je passe par l'eau. Tac. J'irai plus vite en passant par l'eau. Hein. Non, en fait, je vais pas tourner la caméra parce que c'est un quoi me chie la gueule. Allez, juste un coup pour le fun. On le voit pas. Ok, Rex, c'était vraiment une merde. Mais c'est pas grave, on te pardonne. Pas. Il y a quoi ici? Le mec il est tellement en avance qu'il se permet de faire ça quoi. C'est vas-y, aucun respect. Oh shit! Non ça va. Par contre, faudra arrêter les pertes de temps là. Allez taille, arrête de faire le con. Ce serait bête de perdre l'avance qu'on a. Surtout qu'on est à la fin. Et YOLO mesdames et messieurs. Et voilà. Les bras m'en tombent. 58-40. T'es vraiment un sacré nageur. Tiens, tu l'as bien mérité. Cool. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Faut que j'arrête. Hop. Bon. Ensuite, info. Non. Pas info. Jeu. Info. LOL. Ok, par là. Ah ah ah, wait a minute, ça c'est pas mis ici sans raison. C'est jamais mis ici sans raison. Surtout, voilà. Par contre, ça sert à quoi concrètement? Ah bah tiens, un autre. Ah ah, il y a sûrement une gemme à récupérer. Ah ah ah, roi doré, je veux. Je veux monsieur, je le veux, gros, je le veux. Je le veux ce roi doré, je le veux. Oui, je le veux. Oui, c'est mon dernier mot, Jean. Devrais-je dire Michou? Quelle chance! Oui, alors quand je m'emmerde, je tire des boomerangs. Hein. Ok, ok. Je vais me chier. Hein. On sait tous que je vais me chier. C'est pour ça que j'ai pas voulu sauter en fait. Mon amour! Oh wait! Par contre, en fait, avec Jésus dans le. Ah
faut que j'atteigne celui-ci, mais comment? Tu sais quoi, j'abandonne. Parce que là, vous me gavez. Voilà, ça me gave, tant pis. Cheat code, c'est pire. De toute façon, j'avais déjà dit que j'utiliserais un cheat code pour vous montrer tous les branques du jeu. Hein. Oups, pardon. Et surtout parce que j'ai pas que ça à foutre que de faire le jeu à 100% pour la première fois, enfin, j'ai pas spécialement envie non plus. Donc voilà, il y a un truc à faire avec ces frites. Bonjour messieurs, c'est pas normal tout ceci. Vous n'avez pas le droit. C'est une cargaison clandestine, vous voyez. Ah, ce serait pas le truc des frites là. Eh monsieur, vous n'avez pas le droit. Eh monsieur, j'ai dit que vous n'aviez pas le droit. Attends, il est censé faire quoi en fait avec vous? Et apparemment les taper, ça leur fait rien. Hein. Oh, il y a un bandicoot là-bas. Évident, ça leur fait rien. Now that is the question, que faire? Oh, 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 Madame Pélican! Oh, voilà, il faut quand, pardon. Ils ont mis le voisinage à feu et à sang toute la semaine. C'est vraiment trop. Si tu peux les arrêter, je te ferai un cadeau. Ok, ça marche. Un show blues? Oh, wait. Bon. C'est là où je regrette de ne pas avoir le prochain boomerang. Oui, je regrette vraiment. Ça m'aurait tellement facilité la tâche. Mais quand je dis tellement, c'est vraiment... C'est genre un truc de fou, quoi. Bon, madame, vous êtes bien drôle, mais je les arrête comment, en fait? Je réfléchis, hein, mais techniquement, ils peuvent pas me demander un moment que j'ai pas, donc c'est à dire, c'est soit un cryorang, soit le flamerang. Ah ah! Et il va se suicider! Au revoir, monsieur! Voilà! Parce que les autres boomerangs, on va dire. Ils sont, comment dire. Annexes, en quelque sorte. Ils ne sont jamais demandés pour les trucs. Moi dans taille 1 parce que dans le 2 si, mais dans le 2 c'est ça change un petit peu les boomerangs, mais on vous en reparlera d'ici taille 2, on en reparlera. Bon, en fait il faut que ces batailles, il faut que je surprenne en train de jeter à la mer des moches, hein. Il faut que ça leur explose à la gueule. Le problème c'est que ces bâtards ils sont trop loin et là vous commencez légèrement à me saouler mec. C'est la technique, hop là. Bim. Bim. Coucou. Et quand tu veux, faut utiliser des explosifs. Attends, 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 attends. Toi, tu restes là. Balance un peu d'explosifs, STP. Ok, toi, t'es mort. Ça veut dire que là, du coup, je peux le choper. Voilà, hop là. Au revoir, monsieur. Meurs, STP, pour me faire plaisir. Et je te mets un pouce vert.
merde! Attends, si je me rapproche de lui, j'ai une... Alors soit c'était l'hippocampe, soit c'était lui. Ah, c'est l'hippocampe. Shit! Wait a minute! Putain, beau terre, l'eau! Vas-y, reviens là, si t'es, si t'es un frill. Putain, mais casse-toi! Ah mais va te faire enculer quoi! Vas-y, vas-y, reste ici et balance-moi un... Balance de la TNT, TP. Stop de me fuir! C'est pas gentil ce que tu fais là, monsieur. C'est pas gentil, gentil. J'en ai marre. Oh, je vais le taper. Oh, je vais le... Je le dis, c'est la première fois que je fais ça. Je te colle le cul, monsieur. Et oui, monsieur, tu m'énerves, monsieur. Alors voilà, monsieur. Et oui, monsieur, maintenant tu vas te poser. Tu vas te poser dans un coin. Je peux t'attendre. Voilà. Tu vas gentiment rester là le temps que je te balance. Voilà. Meurs maintenant. Ah, j'en avais marre, je suis désolé. Mais ça commençait vraiment à me gaver. Est-ce que tu entends ? Quoi ? Ce silence. Ce calme. Oh, merci. Bon, je vais y aller, hein ? Ah oui, ta récompense. Ça ira ? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Ouais, cool. Voilà, pouce vert parce qu'en plus la gemme elle est verte. Voilà, ça vaut bien un petit pouce vert ça. Non, je déconne, je suis pas du genre à mendier les pouces verts. Ensuite, bah tiens, bah on a pour pas loin. On a direction. On en est à combien jusque je calcule 4 mois. Ça nous en fait encore 5, hop. J'en ai légèrement marre, hein. Légèrement. C'est sûr que les prochains épisodes, c'est l'épisode final, hein. Ça je le dis tout de suite. Il sera long et tout, mais ce sera l'épisode final. J'aime, need de savoir comment y aller. Là en fait, je sais comment y aller. Enfin presque. Je crois qu'une fois j'y suis arrivé, en fait ce qu'il faut faire, c'est tout simplement il faut trouver une plante. Voilà. Il faut trouver une plante en fait qui va nous balancer ici, sur le truc. Mais où est-ce qu'elle se trouve? Alors là. Voilà quoi. C'est pas celle de la plaine volcanique. C'est étrange parce que c'est celle qui est à côté de vous. Que peut-être que j'ai rien dit en fait. Bah tiens, la panique volcanique c'est ici. On va voir. Coucou. Bah, je skip. Jusqu'à maintenant, je vois pas de grandes difficultés. Je peux pas vraiment dire que jusqu'à maintenant ça soit difficile. Bah, le jeu lui-même est pas très difficile, honnêtement. Oh, ta grand-mère. Voilà, meurt. Tout simplement. Oh, 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 j'aime ça, ça j'aime. J'aime, monsieur, j'aime.
ça j'aime moi. Ça je prends, c'est 30 balles. Il y a dedans. Voyons, voilà. Oh putain! Oh non, 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 surtout pas tomber, surtout. Le mec il dit ça, mais il fait tout le contraire. Mais il y a un truc là. Et bah, il veut une vie, on prend. Oh shit! On est mort, c'est pas grave, ça arrive. Non, on va passer par là pour aller plus vite. Non, mais tu te fous de ma gueule ou bien. Tu te voudrais pas un peu de ma gueule des fois le jeu, hein? Moi j'ai l'impression que si, hein. Oh shit! Bon, là on peut remercier le jeu parce que j'ai été trop tôt. Mais putain, mais je vous emmerde, voilà. Ah, mais je réapparais là. Voilà, monsieur, et voilà. Comme ça, ça va vous apprendre la vie. Et puis, j'en ai un cible. Au moins, ça, c'est une bonne chose. Et tiens, punch! Bim dans ta face! Et... Moi je perds pas de vie. C'est déjà ça! Olé! Meurs! En fait je vais aller vite, donc après je fais pas attention et je me prends tout dans la gueule, en fait c'est ça. Parce que je vais essayer d'aller vite. C'est chiant. Bah oui, non, surtout ne me donne pas de la vie, surtout pas, non. J'ai pas besoin de vie, non. Surtout ne m'en donne pas. Très bien comme ça, ne m'en donne surtout pas. Là toi je te bute avant. Que là, en fait, surtout pas l'erreur, faut bien sauter. Ok, voilà. Bon, c'est comme ça qu'on chauffait la gemme. Là, il faut surtout pas se chier parce que sinon on va tous retaper. Et personne n'a envie qu'on se retape tout. J'avais clairement pas envie qu'on se retape tout, donc voilà. Bon, ensuite, bah, on a une par là-bas. Voilà, ça peut pas par là. Ok. Donc, il nous en reste, bah. Encore 4, donc 3 environ. Ouais. Lol, ouais. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Alors déjà, il faut voir si celle-ci est réalisable en fait. On se trouve là. Déjà, on va voir ce que ça... que c'est. Je vais être sûr de bien être dessus en fait. Ah bah tiens, elle est là. Oh, mais ça va être facile. Non, en fait, j'ai rien à dire. Je dis que c'est facile maintenant et après je vais me plaindre que j'y arrive pas. C'est toujours comme ça. Non mais lol, ta grand-mère. Ta grand-mère en stream de guerre. Tiens, voilà. Et maintenant, faut surtout pas que je chie ce saut. Je te jure, tu te chies. J'ai eu peur. Bon.
Maintenant, c'est à 10 000 lieues d'ici. Oh là là. Et pourquoi est-ce que la sortie du niveau elle se trouve aussi loin, quoi? Mais merde, quoi. Qu'est-ce que je t'ai fait à la sortie du niveau 20? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que ce soit aussi loin? C'est pas gentil, ça. Oui, je fatigue, hein, puisque bon, ça fait juste un peu plus... ça fait plus d'une heure que je tourne aussi, donc... à force, ça fatigue. Là-bas, je vois le biome. Enfin, le dôme. C'est pareil. Et moi qui disais qu'on allait faire le boss dans ce niveau. Dans cet épisode, pardon. Je ne pense pas. Le problème, c'est que je veux pas commencer le prochain épisode avec le boss, puis level difficile, puis boss, puis boss final, quoi. Voilà. Je voulais un petit peu éviter ça, quand même. Mais je crois que j'aurais pas le choix. Bon. On va déjà rentrer et faire le topo. Alors, faisons le topo. Il nous en manque combien? Il nous en manque 3. Ta gueule! Là, on a fait tout ce qu'on pouvait. Là, après la souche noire, bon bah let's go. Après la souche noire, bon on y est allé juste avant, mais on va essayer de faire la course déjà. Ça nous enlèverait, une gemme à faire, donc c'est pas... c'est clairement pas négligeable. Feu de forêt, bienvenue! Et après, il faudra voir. Il y en était avant de ce niveau. Hein. Merci, mais voilà. Au jeu. Crise de quoi là? Ouais, bon. Rebelle Wombat. Ah, attends, les bandicoots, t'as pas besoin de tout se récupérer d'un coup. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, bonjour, monsieur. Les enfants, ta gueule. Non, mais ta gueule. Il y a eu un feu de forêt. Non! Ils sont pris au piège. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, tu pourrais les ramener sains et saufs. T'en fais pas, Sheila. Ouais, t'en fais pas. J'ai rien d'autre de mieux à foutre de ma vie, c'est vrai. Hey, mais pourquoi il est pas là le chrono, merde. Putain, me dites pas qu'il est là où je pense. Oh, on regarde les opales. Par contre, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Et je commence légèrement fatigué. Si on pouvait se dépêcher. Ok, so, let's go fuck my life. Et bim, monsieur. Bon, cassez-vous. Ça rigole plus maintenant, j'en ai marre. Voilà, monsieur. Et bim! Voilà, tiens. En fait, ça c'est un peu l'équivalent de l'invincibilité de Mario, quoi. Enfin, l'étoile, pour ceux qui savent. Bon, vu que dans Mario, un coup les étoiles étaient invincibles, un coup je dois juste récupérer pour sauver le monde. Enfin, Peach, accessoirement. You must to save the world. Save the world. ça me rappelle maintenant. C'est juste excellent. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je pensais justement à une parodie de Zelda en fait, où t'as un ami qui lui fait You save the world.
c'est juste excellent comment elle le fait. Ah non, 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 vos gueules avec le gamin là. Non, non. Vous voyez ce que vous me faites faire, les mecs? Vous voyez ce que vous me faites faire avec vos cinématiques à la con? Avec vos gamins, avec vos problèmes à la con, là? J'en ai marre. To save the world. Oh, wait. So... J'en ai marre. Je me demande s'il y a quelqu'un sur le live en fait. En dehors de moi. Sachant que je vois pas les viewers combien on a. Je peux pas dire. Oh shit, bro. Les 4 viewers. Ah bon? Sérieux? Il y en a 3 qui regardent, enfin, parce que je compte pour un vu que comment dire, vu que j'ai besoin du live pour avoir le chat, je compte pour un. Non, parce qu'en fait j'ai l'écran du jeu sur le truc de voilà, hein, sur le truc de voilà, sur le truc. Non, ça je me rappelle déjà. Comment je me rappelle? C'était un. Voilà, voilà monsieur. Meurs, voilà. Bon, je voudrais bien retrouver la piste. En fait, je pense que le chronomètre se trouve dans la piste, enfin, devant les cabines, je vais dire téléphoniques, devant les téléphériques. Save the world. Bon, il est où le chrono? Il est où le chrono? Bon, écoute. Voilà. Hein, vous avez bien écouté maintenant. S'il n'y a pas de chrono ici, je vous jure, j'appelle un PD, il vous encule, il vous baisse, il vous massacre votre tronche. Le jeu se fout de ma gueule. Il est où ton chrono de merde, hein? Putain. Tu veux que je le batte comment, ton batte de merde, si j'ai pas de chronomètre? Hein? Hein, connard? Bon. Tant qu'à faire, on va monter tout en haut. Et s'il n'y a pas de chrono là-bas, bah, j'arrête l'épisode là. Et j'irai faire les 3 gemmes restantes. Et pour le prochain épisode, qui sera l'épisode final, eh bien on fera un boss, puis on fera du cheat, puis on fera le boss, puis le niveau, voilà, le niveau de fin, plus un boss, plus encore un niveau avec le boss, ou alors c'est le niveau après le boss, et après le boss final, et voilà. Et ce sera un épisode bien rempli, qui durera 10 ans lui aussi. À la limite, je vais uploader l'épisode comme il est maintenant, je comprends même pas en deux. Ouais, je sais pas, je verrai. De toute façon, en fait, que je le coupe ou pas, ça prendra 10 ans à s'upload, donc à la limite. Quitte à que ça prenne 10 ans, au moins faire un seul rendu. La la la, je me fais chier. Oui, OBS en fond, tant pis. Voilà pourquoi je regrette de pas jouer sur l'émulateur, parce qu'il n'y a pas de touche speed en fait. C'est voilà. C'est très très chiant. Limite j'aurais pu utiliser la taille à la neige comme miniature, ça peut être sympa. Mais bon, j'ai déjà les miniatures faites par Romain Luffy. Donc bon, pour le moment. Ah oui, n'oubliez pas d'aller voter dans la description. Normalement, je vous aurais mis. Le lien du Pixul, donc n'hésitez pas à voter pour le prochain LP qui se déroulera juste après taille, bien entendu. Voilà, voilà.
Maintenant, vu qu'il n'y a rien, on va aller faire un truc très très facile. C'est-à-dire... Non, je vais pas aller me suicider quand même, parce que bon... Bon, on va aller chercher un nouveau bonbon, et après on se quittera là pour l'épisode, et puis voilà. Tu sais, j'irai vite fait faire les trucs en off, parce que j'en ai marre, parce que voilà. Oui, je sais que tu as déjà voté pour Jack and Daxter. Suicide de putain, merde, j'en ai marre. Ah oui, sinon je ferai pas les 20 palettes de couleurs parce que c'est beaucoup trop chiant à faire. Voilà. J'ai pas envie de me casser la tête, enfin, ouais, à le faire. Donc je vais vous résumer ce que ça fait que les 20 palettes de couleurs. En fait, vous avez une deuxième barre de vie. Voilà. Je l'ai fait en fait sur ma partie principale, enfin ma partie à moi. J'ai gagné une deuxième barre de vie. Ce qui est pas négligeable, sachant qu'un coup, peu importe, enlève le quart de ta vie. Donc. Mais j'ai trop la flemme de le faire parce qu'en fait, voyez, je vais essayer de vous le montrer. Non. Alors normalement, on aura peut-être pas d'ici, mais je sais pas où il y a pas de rambarde. Là-bas, là. Voilà. Et où ? Voilà. Vous voyez, cette palette de couleurs là, elle m'emmerde. J'arrive pas à la choper, cette salope. C'est trop chiant à choper. Donc voilà pourquoi vous n'aurez jamais la... Putain. Attends une minute. J'ai cru en voir une dans les airs. Mais oui, j'ai bien vu un gros minet. Salut, je sais pas. Je vois que tu me rapportes d'autres rouages dorés. On va voir ce qu'on obtient cette fois. Oh, fantastique! Non, sérieux? Un méga rang! Quand tu le lances, il s'oriente automatiquement sur l'ennemi. Vraiment cool! Alors, c'est très simple, je résume. Tu tires, et ça vise l'ennemi automatiquement. Mais c'était pas le moment que j'attendais avec impatience. Voilà, voilà! C'est tout pour cet épisode, je vous dis à très vite pour l'épisode 7. Et c'est moche de finir sur un épisode 7 pour Let's Play, mais c'est pas grave, lol. Que je tournerai je sais pas quand, parce que voilà, peut-être ce mercredi, si j'ai le temps, parce que yolo. Bon bref, tout ça pour dire salut à tous, c'était Diablo. Bref, oh wait. C'était Diablo. Bref, tout ça pour vous dire à l'épisode prochain. Qui arrivera, je ne sais pas quand, tu fais quelle passion, voilà. Hein, ceci, voilà, j'ai déjà fait l'effort de tourner du taille maintenant. Il fait plus d'une heure trente quasiment, enfin presque une heure trente. Ça vous suffira, hein. Voilà. Ah, j'essaierai de pas faire trop tarder, mais bon, j'ai recommencé l'école moi aussi, hein. Faut quand même que je reste un enfant sage, hein. Faut quand même que je consacre du temps à l'école aussi, donc bon. Et clairement, je vais pas tourner maintenant à la suite parce que je suis beaucoup trop fatigué mentalement. Donc, l'épisode 7 pour le dernier talisman et voilà. Et la fin du jeu. Voilà, YOLO. Salut tout le monde, c'était Diablo 19.